Bonjour tout le monde, bienvenue, vous êtes sur Iversound Studio, ici Jake. Et c'est la session hebdomadaire de Ring Fit Adventure, du sport et du jeu vidéo. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai pas la foi. J'avais pas envie, mais bon, il faut le faire. Et quand ton engagement est pris, il est pris, du coup, ben faisons-le. Allez, on va continuer notre aventure à la poursuite de Drago, qui a volé les pouvoirs tout en faisant du sport, etc., etc. Et c'est mal calibré, c'est horrible. Du coup, oui, Ring Fit Adventure, je ne vous réexplique pas ce que c'est, hein, du sport, du jeu vidéo, de la fitness. Un vrai programme de fitness sur la Nintendo Switch. Oh là, j'ai du mal. À travers cette chose, un ring con sur lequel il y a un Joy-Con à ma jambe. Ça se voit un peu, mais j'ai le reste. Hop là. Allez, let's go, c'est parti, il faut transpirer tout ça. Par contre, ouais, ça mérite recalibrage. Alors, quelle force est-ce qu'on a aujourd'hui? Combien? C'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Mais c'est pas grave. Chapitre 3, niveau 11. Oui, c'était cela. C'était ça. C'était ça. Espace nécessaire pour jouer. Normalement, c'est bon. Hein. Je ferai toujours pas les exercices au sol. On restera debout comme les séances dernières. Allez, c'est le jour 3. Il faut s'échauffer. Sinon, ça va être difficile déjà que ça l'est. C'est parti. Vous avez beaucoup fait des squats. Bah oui. Cet exercice permet de faire travailler les muscles des cuisses et les glutéos. Ouais, glutéo pour moi c'est gluten, donc le blé, tout ça, les pâtes, le pain. Je pense que ça n'a aucun rapport, on va voir. Concentrez-vous sur vos quadriceps. Ah, faut que je fasse plus de haut du corps. D'accord. Quadriceps, c'est rare. Comment se passe l'entraînement? C'est trop facile? Non, non, c'est très bien en fait. Hein, du coup, on va pas le monter. Mais il n'y a pas l'option intermédiaire, c'est après, comme d'hab. On va rien changer. Tac, voilà. C'est parti. Voici les échauffements, tout simplement. Imiter les gestes de posi. Hop là. 3, 2, 1, c'est parti. Levez alternativement les genoux pour toucher le ring-con. Cet exercice étire la zone. Ouais, j'ai déjà les genoux qui craquent. Hein. Une dernière fois? Oui, comme ça. L'exercice suivant consiste à monter les talons. Levez-les alternativement pour toucher le ring pad. Ah. Ouais, la droite, j'y arrive toujours pas. Expirez en levant les chevilles. Une dernière fois? Bien. Passons aux étirements du dos. Mettez une jambe en avant et abaissez le bassin. Inspirez en avançant la jambe, expirez en la ramenant. Vous devriez sentir les muscles du dos. Oui, oui, je sens bien, oui. Je sens très bien même. Une dernière fois de chaque côté. Ah, c'est bon. Oui, c'est parfait. Bonjour, Wedgers dans le chat, faut tendre les bras au-dessus de la tête. Ah, oui. Levez le ring-con et c'est vrai. Penchez-vous sur le côté. Gardez la tête bien droite. Ah, il recentre à chaque fois. Évitez les mouvements brusques pendant cet étirement. Une dernière fois de chaque côté. Mais oui, mais en même temps, après, si je lève trop, vous voyez pas. Un jour, il faudra que je fasse un vrai setup propre de cette chose. Un jour. Ah! Il y a un message. Je suis déjà décédé, quoi. Ce qui est important, c'est de prendre l'habitude de faire de l'exercice. Ouais, mais c'est difficile de prendre cette habitude, en fait. Prenez un peu de temps pour faire de l'exercice régulièrement, même si ce n'est pas beaucoup. Ouais. Vous accorder une récompense à chaque fois que vous y parvenez peut aussi vous aider à prendre l'habitude. Un petit sucre.
Vous pouvez y aller, bon courage. En vrai, peut-être que je peux me tenter une motivation différente. Genre, je fais mes séances et après, je me dis, j'ai le droit de faire un peu d'autres jeux vidéo, quoi. Pour ces séances hebdo. Ça peut être une source intéressante de motivation supplémentaire. 2 secondes. Tac. Oui, parce que le petit PC à côté a décidé de se mettre à jour au moment où je lance le stream. Et non, en fait, j'ai besoin d'avoir le retour et le chat, sinon je le vois pas. Vu que de loin, le grand PC, je vois rien du tout, en fait. Allez, c'est parti. La boutique et la pierre brillante. Ah, d'accord, j'ai fait tout. Très bien. C'est la gratuité. Résumé de l'histoire des séances dernières. Drago, le dragon qui a volé des pouvoirs, quoi. S'est réfugié, et qu'on a libéré malencontreusement, s'est réfugié dans une contrée habitée. Qui sait quelle influence l'aura maléfique pourrait avoir sur les habitants. Les habitants. Arrêtez Drago avant qu'il ne soit trop tard. Oh là. Mais je me demande si Drago n'est pas de chez Serpentard, d'ailleurs. Drago Malfoy. Il s'est réfugié par là. Ok. On est finalement arrivé dans un coin où il y a un village. Par contre, je vois plus de cases que les 2 dernières fois. J'ai peur. La présence de Drago attire les monstres. Les choses pourraient mal tourner. Oh, génial, merci. Alors, on a une case ici. On a un village. On a une case un peu plus chiante à droite. Là, juste au milieu, je vois pas trop. Bon, Drago, certes. En haut, on a un coffre avec des pièces. On a un défi, je suppose, lié à la propulsion du Rincon et à gauche avec une tête de mort. Ouais, d'accord. Décès sur 20, c'est pas grave. Imagiro, source de motivation supplémentaire, faire du montage de best-of étirement. Faire du montage de best-of, évidemment. Chacun ses sources de motivation. Alors, on va attaquer. Non, je ne fais pas la phase de récupération de suite parce que pour l'instant, je ne suis pas encore décédé. Ça va arriver dans 30 secondes. Bichon, un villageois qui parle. Que faire? Elle sera sûrement déçue si je rentre les mains vides. Depuis quand il y a des monstres ici? J'en avais jamais croisé avant. Ils ont pris mes ingrédients en smoothie. Qu'est-ce que je vais dire à Bichette? Mais c'est le type qui s'est fait attaquer par un monstre tout à l'heure. Alors tout à l'heure, c'était la dernière fois, hein, du coup. Mais j'y pense, il doit y avoir un coffre par ici. Parfois, on fait de jolies découvertes dans les coffres. Avec peu de avec un peu de chance, je trouverai quelque chose à lui ramener. Elle m'a dit qu'elle avait vu une pierre brillante tomber du ciel. À travers les nuages. Ce qu'il faudrait, c'est que je trouve quelque chose qui ressemble à ça. Genre une navie, quoi. Hey, listen! Passe au trésor 4 minutes 310 mètres, 2700 d'XP, suggestion, les bras. Ouais. Ah ouais. Atteignez l'arrivée. Allez. C'est bon? Allez, go. Ah, il y a un nouveau pouvoir. Allez, premier monstre. Par contre, je ne me souviens plus du pouvoir. T'es quelle belle jaune ou rouge. Maintenant que j'ai récupéré le pouvoir des couleurs, attaquer un ennemi avec une technique de la même couleur que lui et vous lui infligerez des dégâts supplémentaires. D'accord. C'est donc ça. Choisissez une technique. Go, hein, le jaune en premier. Sortir de tronc. À droite, à gauche, à droite, à gauche, pivoter, à droite, à gauche, faites des gestes amples pour un effet maximal. À droite, vous êtes à la moitié, à gauche, à droite, à gauche, encore 10, à droite, à gauche, c'est le Joy-Con qui vibre. À gauche, à droite, à gauche, bien, déjà. Jambes
légèrement plié. Choisissez une technique pour attaquer. Allez, go. Pression vers le bas. C'est parti. Comme si vous portiez quelque chose sous les bras. Excellent. Formidable. Bien. Parfait. Ouais, c'est ça. Bien joué. Super. Superbe. Génial. C'est bien. Continuez comme ça. Super. Fantastique. Magnifique. Joli. Très bien. Un peu plus vite. Bien joué. Superbe. Encore toi. Ouais, c'est ça. Bien. Eh ben voilà. Ça fait du mais bien tu fais pas du tout l'exercice qui est demandé. Mais si, je l'ai fait là. Pourquoi? Ah, c'est un nouveau truc ça. C'est ça, continuez à me presser contre votre abdomen. Très bien. C'est bon ? Oh, mais c'est un coffre ! Je sais comment l'ouvrir. Ok, comment ? Donc maintenant, il faut faire des exercices dans l'exercice, quoi. J'ai gagné un smoothie aux épinards. Sérieux. La torsion de tronc, c'était pas ça? Ah bon? Ah. Je fais ce que je peux. J'essaierai de faire mieux, alors. Buvez un smoothie. Ok. En buvant des smoothies, vous pouvez obtenir des avantages sur les parcours ou en combat. Ok. Allez, go. Ah, punaise. Rouge. Bien, choisissez une technique. Bon, on va voir ce que vous me dites sur le jaune là. Torsion de tronc. Pivoter. À droite, à gauche, à droite. À gauche. À droite, à gauche, à droite. Je tourne mon tronc. À droite, à gauche, à droite. Gardez le centre du corps stable. À gauche, à droite, vous êtes à la moitié. Pivoter. À gauche, encore 10. À droite, à gauche, à droite, encore 5. À gauche, à droite, à gauche. Oui. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. Ils ont dit les puces les bras aujourd'hui de toute façon. Pression vers le bas. Eh bien, oui. On y va. Compressez le Rincon en expirant. Fantastique. Bon travail. Ouais, c'est ça.
Allez, ouais, un peu quand même. On y va. Gardez les genoux derrière les orteils. Beau travail. Formidable. Superbe. Super. Bien. Magnifique. Excellent. Très bien. Il n'y avait plus de jeunes. Fantastique. Bravo. Super. C'est bien. Continuez comme ça. Superbe. Essayez de vous surpasser. Bien joué. Encore trois. Très bien. Bravo. C'était pas de la tarte. Un niveau. Cool. Allez, voilà. Allez, Edin. À présent, convertissez votre entraînement en point d'expérience en prenant la pose de la victoire. Abaissez votre bassin pour charger votre puissance de flexion, mais étirez votre victoire. Posez votre pouce droit sur la caméra infrarouge comme indiqué. Mesure en cours. Ne retirez pas votre pouce. Ok. Ça sera pire après, de toute façon. Disciple batelier. Eh oui, les bras. Le monde appartient à ceux qui font leur jogging tôt, comme le dit l'adage. Pour qu'on trouve des smoothies épinards dans un coffre, il faut vraiment que ce soit notre jour de chance. Zut, un coffre vide, ce n'est pas mon jour. Ah, quel dommage. De toute façon, les pierres brillantes ne tombent pas du ciel, c'est insensé. Bah, météorite, tout ça. C'est un peu de notre faute, non? Bah, on est passé avant. En attendant, je me demande bien ce que c'est cette pierre brillante. Il y a quelque chose de pas net. Pas net, Baptiste. Quelle est cette chose? D'abord, un monstre me vole tous mes ingrédients. Ensuite, je tombe sur un coffre vide. Je vais vraiment rentrer à la boutique les mains vides si ça continue. C'était donc ça, le monstre qui l'a attaqué lui a volé ses ingrédients. C'est embêtant. Si nous allions faire un tour à la boutique, nous aussi. En gros, on va lui vendre le smoothie. Oh! Mais il y a plein de gens qui parlaient, en fait. Allez, go, la boutique en premier. Bienvenue à la boutique numéro 1. Si vous cherchez des smoothies ou des équipements pour vos activités sportives, vous avez frappé à la bonne porte. Pour le moment, on peut vous montrer que les équipements, mais bon. C'est vous, excusez-moi, mais nous sommes à court d'ingrédients à smoothie. Parce que, pas que nous ayons tout utilisé, non, on nous les a volés. Il faut que je vous raconte ça, mon dieu, tellement de textes. L'autre jour, voyez-vous, Bichon a mis drôlement longtemps à rentrer. En fait, un monstre lui avait volé nos précieux ingrédients à smoothie. Je n'ai rien pu faire, l'horrible bête a surgi nulle part, et... Enfin bon, comme c'est le genre de choses qui peut arriver, j'ai fait une provision d'ingrédients de secours. Tu es génial, Bichette, cœur rose. Avec ça, on va pouvoir faire des smoothies. Hop, on sèche nos larmes et zou, on ouvre la boutique. C'est que, en fait, le mixeur est cassé. Trois petits points. On parlera de ça plus tard. Je sais pas. Envie de vous changer les idées, si vous changiez d'équipement pour commencer. Ah, c'est du skin. En vrai, je m'en fiche un peu. Excusez-moi, mais notre Mister X, c'est papa, patati patata, les smoothies. Les smoothies, c'est pour se soigner, mais on va les garder. Mais comment je fais pour aller? Ah, voilà.
Notre ami. Oh, ils veulent rien acheter non plus. Eh ben, vamos. On pourrait trouver. Où est-ce qu'on pourrait trouver un autre. Enfin, un mixeur, quoi. Ben. Chez Darty, Fnac, Boulanger. On doit bien avoir un mixeur de rechange à la fabrique. Bah, ok, d'accord. Tu es merveilleuse, Bichette. Cœur rose. Mais avec les monstres qui rôdent, c'est risqué de s'aventurer là-bas. Bonne chance, mon bichon. D'accord, j'y vais. Que dites-vous? J'ai enregistré ma boutique au registre des commerces sous le nom boutique numéro 1. Ouais. On va bien finir par affronter Drago un de ces jours si on pense à tout ce qui nous attend. L'idée de ne pas pouvoir acheter de smoothie pour se remettre sur pied, oh là, j'ai du mal, est pour le moins inquiétante. Monsieur Bichon, voulez-vous bien m'accompagner à la fabrique? Il paraît que le dragon des contrées nocturnes est arrivé par chez nous. J'ai peur de me retrouver encore nez à nez avec des monstres. Si on ne peut pas acheter de smoothie, on sera bien embêté nous aussi. Je crois qu'on ferait bien de donner un coup de main, non? Ah d'accord, donc je suis obligé de passer... Ok. Ah ben, let's go, hein. J'ai déjà le bras gauche. Ouais, mal. Ça devrait être par ici, dit-il avec la voix tremblante. Grrrr, dit le monstre. Iiii, avec un bruitage derrière qui fait ah. Puis après il écrit, je le savais. Je savais que j'y arriverais pas, enfin sûrement pas tout seul. Aidez-moi, le mixeur est à l'autre bout de la fabrique. Est-ce que vous pourriez aller me chercher? Quelque chose me disait que ça allait se passer comme ça. Évidemment. 5 minutes... Ok, d'accord. Donc 6 pour moi, quoi. Objectif, aller chercher le mixeur. Allez. Ah, putain. Alors, violet, rouge. Ah non, c'est bleu. Ouais, c'est plus violet que bleu, hein, mais bon. J'ai bien envie d'essayer ça. Levez de genoux. Oh punaise, le rythme! J'ai galère à mort. Quelle horreur. J'ai dû très mal le faire en plus. Pressé avec les jambes légèrement pliées. Choisissez une technique. Attendez. Ah, 3, 2, ok. Pression vers le bas. C'est parti. Gardez les genoux légèrement pliés. Bravo. Bravo. Excellent. Joli. Fantastique. Fantastique. Bon travail. Super. Yes. Joli combat. Bel effort. Qu'est-ce que c'est que ça?
Écartez les jambes. Pliez les genoux, puis redressez-vous quand vous êtes tout en bas. Parfait. Bien joué. Ok. Oh punaise. Il y avait deux chemins, comment je pouvais choisir? Jaune vert. Choisissez une technique pour attaquer. Pivoter. Ah, je crois que j'ai compris. À droite, à gauche, bougez les bras depuis les épaules. À gauche, à droite, vous êtes à la moitié. À gauche, à droite, à gauche, encore 10. À droite, à gauche, à droite, encore 5. À gauche, à droite, à gauche. C'est ça. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Encore ? C'est bon ? Bien, choisissez une technique. Bon, en espérant que ça fonctionne, ça bug une fois sur quatre. Posture de la chaise. Voilà, ça fonctionne quand on veut. Revenez lentement à la position de départ. Vous devriez le sentir dans le buste et les épaules. Prends ça ! Bouclier d'abdos ! Continuez à presser. Que vous dites les bras, il me reste à vue. Ils sont pas tendus tes bras, mais il tend pas toujours les bras, le machin. Allez, ça. Pression vers le bas. C'est parti. Compressez le Lincoln en expirant. Bien joué. Pouf, pardon. La puissance, quoi. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Pivotez. Donc en gros l'idée c'est que vous me dites par rapport à ça c'est que de bras tendus. Donc dans ça voudrait dire que je le baisse encore plus en bas. Mais pourtant sur le dessin ils le mettent au niveau de la ceinture quoi. Si je mets plus en bas c'est bizarre. Je sais pas. Oh de peu pour le prochain niveau. Ah oh, merde c'est pas fini. Ah raté. Allez, encore un monstre. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Au-dessus de la tête. Hein ? Un truc bleu. En effet, j'ai plus beaucoup de cœur, oui. C'est parti. Ne tournez pas vos pieds vers l'intérieur.
maille. Très bien. Une dernière fois. Bien. Il a rien perdu, quoi. Bien. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Oh, ça, je... Hein, voilà. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Cet exercice cible les fessiers. À gauche, à droite, vous êtes à la moitié. À gauche, à droite, à gauche, encore 10. À droite, à gauche, à droite, encore 5. À gauche, au secours. À droite, à gauche. Oh. Impeccable. Continuez à presser. Mon cœur. Non. Un combat difficile. Vous resserrez une autre fois. Non. Si, si, il y avait le smoothie ici. Il y était, ouais. Oh, je suis deg. Bon, faut boire. Je suis dégoûté. Il reste encore trop de choses à faire en fait. Donc go. C'est fait exprès pour faire plus d'exercices en fait. Allez, go. Merde, prendre. Inclinez-moi vers le bas, je la ressens. Choisissez une technique pour attaquer. Pression vers le bas. C'est parti. Penchez-vous en avant et pressez le ring cone. Appuyez plus fort sur le ring cone. C'est mieux. Fantastique. Solide. Excellent. Bravo. Super. Ouais, c'est ça. Très bien. Magnifique. Montre un peu plus vite. Fantastique. Continuez comme ça. Encore trois. Magnifique. Au travail. Une dernière fois. Solide. Bien, choisissez une technique. Squat. C'est parti. Pliez les jambes en expirant. Super. Génial. Très bien. Fantastique. Bien joué. Bon travail. Continuez comme ça. Superbe. Excellent. Bon, j'ai pas perdu de cœur.
Oh. Putain, est-ce qu'il m'a enlevé ? Je comprends pas l'histoire des cœurs. Allez! Penchez lentement. Revenez lentement à la position de départ. Vous devriez le sentir dans le buste et les épaules. Salut Ando. Quand tu pivotes, faut pas que le ring touche ton corps. Ok. C'est lui qui te fait tourner. Pas toi qui dois tourner avec lui ou contre lui. Contre toi. Ok, d'accord. Oui, un niveau en plus. Posture du guerrier. Ah, gros gros. Une jambe en avant, l'autre en arrière, pencher le torse sur le côté. Hashtag bas du corps, hashtag ventre, hashtag posture. En gros, c'est quelque chose comme ça. Oh punaise! Ah oui! Voulez-vous assigner? Oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on enlève? J'ai qu'un jaune, j'ai qu'un bleu, j'ai deux rouges, j'ai un vert, un jaune, deux rouges, deux bleus. J'aimerais bien avoir un deuxième vert parce que la posture de la chaise, même si sympa, c'est pas. Enfin, je la trouve pas précise. Les squats, j'en ai pas mal mangé. Les levées de genoux, c'est rigolo, mais c'est dur et je pense que je les fais mal. Les deux pressions, je les aime bien. La torsion, je l'aime bien. Ou alors, j'enlève la posture de la chaise pour passer à la posture du guerrier. La chaise c'est 30 pour une recharge, le guerrier c'est 60 pour une recharge, portée 1 quoi qu'il arrive. Dans tous les cas c'est bas du corps, ventre, posture, bas du corps, tronc, endurance. Bon, en fait il faudrait remplacer la chaise par le guerrier.
Là, c'est les abdos, poitrine, épaules, fessiers, ventre, poitrine, taille. Ouais, donc en gros, faut que j'enlève la posture de la chaise. Je vais enlever la posture de la chaise. De l'eau, ouais, juste après. Juste après. Putain. Ça sert à rien. Allez, Cradopo! Héros qui se barre. Continuez à presser. Ouf. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. On y va. Gardez le dos droit. Punaise, le smoothie. C'est bien. Parfait. Passons à la vitesse supérieure. Très bien. Encore trois. Continuez comme ça. Vous y êtes. Une dernière fois. Et c'est la mort. Et ouais. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Eh punaise! Ah là là. Ouais, mais j'ai complètement zappé le smoothie en fait. Je l'ai complètement zappé. Je suis pas sûr d'aller au bout de ce chapitre 3 aujourd'hui en fait, je vous le dis. Finir au moins ça. Mais le reste, je sais pas. En plus, ça fait 5 pastilles. La dernière fois, c'était 4. La dernière fois d'avant, c'était 3. Ouais. C'est dur, dur. J'ai envie d'éternuer en plus. Tant pis, ça arrivera en même temps. Ah, bah ok. Pardon, désolé, excusez-moi. Merci. Allez, go. Quel talent! Si la visée vous semble défectueuse, inclinez-moi vers le bas pour la ressentir. Choisissez.
choisissez une technique selon la couleur de l'ennemi. Pression vers le bas. On y va. Comme si vous portiez quelque chose sous les bras. Superbe! Fantastique! Très bien! Formidable! Excellent! Superbe! Bon travail! Super! Ouais, c'est ça! Parfait! C'est bien! Bien! Passons à la vitesse supérieure. Encore trois. Superbe. Continuez comme ça. Une dernière fois. Parfait. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Choisissez une technique pour attaquer. Squat. C'est parti. Ne tournez pas vos pieds vers l'intérieur. Bravo! Vos muscles ont l'air contents. C'est vrai, t'as raison. Ah, putain, j'y arrive pas. Choisissez une technique selon la couleur de l'ennemi. De tronc. Pivoter. À droite, à gauche, à droite. Ah oui, je comprends mieux du coup. Pivoter. Ok, d'accord. À gauche, à droite. Ça fait travailler la taille. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Vous êtes à la moitié. À gauche, à droite. Encore 10. À gauche, à droite, à gauche. Encore 5. À droite, à gauche, à droite. Ok. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Choisissez une technique. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Attention à ne pas trop incliner votre buste. Ok, d'accord. Belle bataille. C'est
Sympa ça. Voilà, il va pas tester, désolé. C'est caméra inversée en dos, je crois. Niveau 15. Bon, allez, tranquillement. Voilà. Tac. Alors, cœur. Choisissez une technique selon la couleur. Comment je fais le smoothie là? Ah, c'est à la fin, d'accord, ok. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche. Horrible. Horrible ce truc. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Bien, choisissez une technique. C'est parti. Cet exercice fait travailler de nombreux muscles. Continuez à presser. C'est pas fini. Choisissez une technique. Pression vers le bas. C'est parti. Faites travailler votre buste. Voilà. Vous brillez de sueur. Merci pour la sueur, c'est gentil. Je remets le Joy-Con cuisse correctement parce qu'il était en train de descendre. Pourtant il est serré. Hein. Abaissez votre bassin. Cool, un mixeur. Je suis content. Merci mille fois. Mais tu attends 2 secondes pour les dialogues. Parce qu'il faut boire. Secondes.
Trop d'efforts tue l'effort. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ah ouais. Il n'y a pas d'inversion de caméra entre ce qui est écrit et ce que fait le modèle. La caméra est inversée, ouais. La caméra est complètement inversée. Enfin, là par exemple, si je lève cette main là, ça c'est ma main gauche. Donc vous voyez à gauche, mais comme la caméra est inversée, vous pourriez penser que c'est ma main droite. Mais en fait, ça c'est ma main gauche. Mon côté gauche, il est là. 158 souffles, t'inquiète, j'ai eu pire. Élevé en rouge. Non, t'inquiète, il y a déjà eu du 180. Donc, le retour du. Ah oui, d'ailleurs, point d'eau. Tiens, bonne. Attendez, je regarde la glace. Je sais pas si ça va se voir correctement, mais je peux vous dire que oui, j'ai le dos très trempe. Ah si, un peu, ça se voit, ouais. Allez! Merci mille fois. Nous allons pouvoir commencer à vendre des smoothies et moi en acheter du coup. Maintenant que j'ai compris le truc. Vous m'avez sauvé encore une fois. Je vais préparer plein de smoothies rien que pour vous. N'hésitez pas à passer à la boutique quand vous le voulez. Désormais, je peux acheter des smoothies. Et si vous faisiez une pause après, hydrater c'est fait à l'instant, on va acheter des smoothies. Ben on va lire aussi ce qu'ils disent. Vous allez prendre des smoothies, patati patata. Oh. Ouais, bon, c'est du bœuf et de la régène, quoi. Vous avez compris, il faut pas sortir sans les smoothies. Et de nouveaux équipements. Mais c'est du stuff, en fait. C'est du skin, pardon, pas du stuff. Ah, c'est peut-être pas que du skin. Ah. Oh là là. Vous êtes en sueur. Je crois que je suis espionné par Big Data. Ok. Vous avez bu assez d'eau. Il y a plus de 3 quarts de la gourde qui sont passés là. Donc 3 quarts de litre en gros. Quand on fait un gros effort physique, on transpire beaucoup. Ouais. Voilà. Et la quantité d'eau diminue dans le corps. Il faut s'hydrater régulièrement. De l'eau! Ah, ça va mieux. Il n'y a rien de meilleur que de l'eau bien fraîche. Savez-vous que le corps absorbe l'eau plus rapidement quand elle est froide? C'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a de mieux après se réhydrater? Ah ouais? Je ne savais pas ça. Parce que là, elle est tempérée, quoi. Ok. Bonjour, plein de bons smoothies. Alors, les smoothies épinards rendent un cœur. Les smoothies raisins donnent des attaques plus puissantes en violet. D'accord. Un épinard donne un quart de cœur. 20. Donc ça ferait 100. Ok. Bon, on va en acheter. Voilà. Je vais en acheter d'autres. Voilà. Et c'est tout. Bon alors, est-ce que ça apporte quelque chose ça? Oh punaise, mais ça apporte vraiment des stats en fait, c'est pas que du skin. Ah, flûte. Flûte zut. Non mais oui, 4 x 20 égale 100. Non, mais en fait je pense que c'était pas vraiment un quart de cœur. Oh. Là, je gagne quand même 9 en attaque avec une tenue très
voyante. Et là, je gagne 59 aussi. Ouais. Là, je gagne en défense. Ouais. Eh bien, vous allez choisir pour moi. Soit je pars sur Atlantico Savannah, soit sur la danse de diamant. Avec soit le bleu, short, bleu, enfin boule disco. Soit je suis un gilet jaune fluo avec un vrai bas de sport, avec des vraies baskets. Donc vous choisissez pour moi, boule disco ou gilet jaune. C'est vous qui choisissez. Je ne vais pas lancer un sondage. Mais là, vous me dites. Montre avec l'ensemble Savannah. Je peux pas, j'ai pas d'aperçu en fait, j'ai que ça. Je peux pas mettre tout l'aperçu en même temps. Trois fois celui droite aussi, Savannah. Plutôt Savannah donc. Savannah, Savannah. Hop là, tac. Bon allez, banco. Par contre, il me semblait avoir beaucoup plus de pièces à la base. Ça m'étonne qu'il y ait que ça. Il me semblait vraiment gagner presque 1000 pièces par session, donc ça me paraît bizarre, mais bon, ça... Bon, ça fait des stats en plus. Ok. Et là... Non, c'est bon. Donc je peux revendre du smoothie. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Si jamais... Quand je pense que tu allais chercher le mixeur dans un endroit aussi dangereux, je te vois sous un nouveau jour. Oui, oui, c'était terrible. Oh là là, je suis resté caché dans l'ombre. Tu t'en es sorti sans l'aide de personne. Ne me dis pas que quelqu'un t'a aidé. Non, non, bien sûr que non. Est-ce qu'on est prêt à partir? Ça te fait plaisir de voir la boutique vendre des smoothies, ouais. Moi aussi, je savais faire les smoothies avant qu'on vole mes pouvoirs. Ok. Bon, petit détour, c'est sympa, mais il faut aller là où le devoir nous appelle. Pouf! Alors, niveau 13, je suis niveau 15. Je pense qu'on va y aller dedans, en fait. On va vraiment y aller dedans. Au bout du troisième try. Ah, mais j'assume complètement. J'assume complètement. Bon, on a des smoothies. On est un poil mieux stuff et il y a du niveau 15 pour un niveau 13 conseillé. Ça devrait aller, je pense. Voilà. Pendant ce temps, j'ai des échos dans mes oreilles parce que trop d'efforts, c'est, ben, j'ai les oreilles qui se bouchent et du coup, je m'entends résonner dans ma propre tête. C'est horrible. Je déteste ça. C'est comme quand il y avait beaucoup de vent. Hop là. Bon, c'est pas grave, je ferai avec. Bon, allez, go. Niveau 13. Pont de l'éveil. Gain d'expérience estimé 2100. Il y a moyen de gagner en plus, un niveau en plus. Technique, suggestion, violet. Les quiz. On va faire les quiz. Ça te fait un retour voix, j'avoue. Ouais, mais c'est pas le retour voix que j'espérais, en fait. Mon Dieu, je suis fluo. Allez, go. Oh non, pas lui.
genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Étirez bien votre dos. À droite, à gauche, à droite. Vous êtes à la moitié. À gauche, à droite, à gauche. Encore 10. À droite, à gauche, à droite. Encore 5. Ah, j'y arrive plus. À droite, à gauche. Ah. Et je me suis pris les pieds dans un câble. Il y a une inspi Pokémon autant physique qu'au niveau des noms. Oui, oui, ça oui. Ben, c'est un jeu Nintendo, ça c'est clair. Allez. On y va. Pointez vos pieds droit devant. Abaissez le bassin sans trop avancer les genoux. Si les commandes répondent mal, appuyez sur le bouton plus. Ouais, j'ai pas l'impression que ça fonctionne bien là. Bébé. On accélère. Au travail. Encore 3. Ah. Continuez comme ça. Une dernière fois. Ok. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Choisissez une technique pour attaquer. Genoux. Bougez avec beaucoup de force. À droite, à gauche, 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 à droite. Entrez dans le rythme. À gauche, à droite, à gauche. Vous êtes à la moitié. À droite, à gauche, à droite. Encore 10. À droite, à gauche. Légèrement plié.
n'est pas fini. Choisissez une technique. Squat. C'est parti. Faites travailler vos jambes. Super. Bien. Bravo. Joli. Continuez comme ça. Excellent. Un peu plus vite. Joli. Encore trois. Vous y êtes. Bien joué. Une dernière fois. Bien. Exercice. Bien joué. Ah. Ouais. Niveau 16. Allez. Abaissez votre bassin. Ah, super smoothie en plus. Alors, il y a le choix entre décéder comme ça ou décéder avec une tête de mort. Voilà. Partir sur le truc de droite là. On va voir. Tête de mort, bande de méchantes personnes. Non, d'abord celui-là là. Allez go. Bienvenue à la salle de jeu. Ah oui, c'était rigolo ça. Squat en hauteur. Jambes, fessiers, ventre. 2 minutes. 150 pièces. Pliez les genoux. Contrôlez vos sauts. Récupérez des pièces. Ok. D'accord. Attention. C'est parti. Cet exercice fait travailler de nombreux muscles.
Non. Vous perdez des points quand vous touchez des bombes. Mais c'est mal. Ne tournez pas vos pieds vers l'intérieur. Allez. Ok. Bon ben Rambé, c'était ce qu'il fallait faire. Mais mal foutu là, je trouve le truc, très mal foutu. Ah oui, c'est vrai que ça fait de l'XP. Vilaine personne, j'ai dit. Allez, la mort. À bout de bras. Penchez-vous sur les côtés, bras levés. Attrapez les pièces. Taille, dos, épaule. Et j'aurai une aigle marine. Taille, dos, épaule. J'ai compris. Attention. Attention. C'est parti. Pensez aux muscles que vous utilisez. Vos abdominaux obliques. Bien joué. Bien. Ah. Rang S, parfait, parfait, parfait. Double titre. Nécessaire pour acheter des équipements, d'accord. Il faut la garder, quoi. Ah, il reste deux choses à faire. Niveau 15 requis, je suis niveau 16. Il y a un moyen que je me foire là. Et il y a moyen que je me foire au boss, de toute façon. L'idée des mini-jeux, en fait, ça m'a permis de me poser un peu. Donc j'irais bien tenter encore un peu. Donc bon, le jeu est trop gentil avec toi, t'avais pas du tout les bras tendus. Oh, ça va, ça va. Pas chipoter. Allez, go.
Bichette, je crois que c'était par ici. C'est Madame Bichette, que fait-elle ici? Vous n'auriez pas trouvé une pierre brillante dans les parages, par hasard? Une pierre brillante? C'est juste que j'ai vu une pierre brillante tomber du ciel, récemment. Fais ce niveau et continue le boss la prochaine fois. Ouais, on va voir. Ça doit être drôlement précieux, je pourrais la revendre très cher. Cette pierre brillante, est-ce que ce ne serait pas une météorite? Ah non. Alors, passage des sauts techniques, néant. 5 minutes, beaucoup à courir. Ça veut dire pas mal de mobs, ça, en vrai. 3300 d'XP. Ça veut quand même dire pas mal de mobs, ouais. Avec les smoothies, c'est good. Oui, oui, bien sûr. J'ai le câble du micro, par contre, qui va m'embêter, je pense. L'astuce qu'il y avait en bas, que j'ai pas eu le temps de lire, était intéressante. Go! Allez, c'est parti! Choisissez une technique! Du guerrier 1. Pourquoi toujours la gauche en avant? Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Allongez le dos en gardant le buste bien droit. Chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Contractez les abdominaux sans plier le bas du dos. Choisissez une technique. Pression triomphale. C'est parti. Cet exercice fait travailler les épaules. Appuyez plus fort sur le Rincon. C'est mieux. Bien. Parfait. Superbe! Formidable! Excellent! Fantastique! Au travail! Joli combat! Salut! Choisissez une technique selon la couleur de l'ennemi. Ils sont pas bleus, ils sont violets, encore une fois. J'aime bien ça. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. N'avancez pas le genou au-delà du talon.
chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. Choisissez une technique. De tronc. Pivoter. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Pivoter. À droite, à gauche. Ouvrez la poitrine et gardez le dos droit. À droite, vous êtes à la moitié. À gauche, à droite, à gauche. Encore 10. À droite, à gauche, à droite. Encore 5. À gauche. À gauche. Voilà. Bouclier d'abdos. Pressez avec les jambes légèrement pliées. C'est pas fini. Choisissez une technique. Levez de genoux. Avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'était pas de la tarte. Il aurait eu du niveau aujourd'hui. Tire à l'arc. Ouais, ça peut être rigolo ça. Alors, rouge, pas rouge. 2,35. 2,25. 1,30. Bois, bras, poitrine, épaule. Poitrine. Bras, trapèze, tronc. Donc, en gros, c'est la pression vers le bas qui partirait. Ok. Allez, go. Ferme. Superbe. Oh non. Choisissez une technique. Posture du guerrier 1. J'aime pas les crados peau vert là. Lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ne forcez pas en levant les épaules. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Ouvrez la poitrine quand vous levez les bras. Revenez lentement à la position de départ. Calquez-vous. Bien. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras.
Choisissez une technique. On va essayer ça. Tire à l'arc. Mais je suis gaucher, je suis pas droitier moi, oh. Comme si vous vendiez un arc. Super. Génial. Bon travail. Excellent. C'est bien. Bon travail. Super. Joli. Bravo. Joli. Essayez de vous surpasser. Bien. Vous y êtes. Une dernière fois. Ok. Même chose de l'autre côté. On y va. Ne baissez pas les épaules. Fantastique. Parfait. Excellent. Super. Magnifique. Continuez comme ça. Bravo. Très bien. Ouais, c'est ça. Fantastique. Très bien. Super. Bien joué. Passons à la vitesse supérieure. Bien. Excellent. Une dernière fois. Oui. Excellent. Je découvre des muscles, je crois. Expirez tout en contractant vos abdominaux. N'oubliez pas de rester hydraté. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Faites des gestes amples pour un effet maximal. Vous avez réussi! Impressionnant! Abaissez votre bassin. Et une victoire! Pouvoir des smoothies. J'ai un nouveau pouvoir maintenant. En quel honneur. C'est même pas justifié dans le lore, c'est juste qu'il y a un pouvoir gratuit. Sérieux. Ouais, ouais. Le pouvoir des smoothies. Maintenant, il nous suffira d'avoir des ingrédients et une recette pour pouvoir préparer des smoothies n'importe où. Ok, je suis en vie, vous m'avez sauvé. Bouhouhou, j'ai eu si peur. Merci de m'avoir porté secours, je ne pensais pas tomber sur des monstres dans un endroit comme celui-ci. Je ne veux plus jamais revivre ça d'ailleurs. Je ne veux plus entendre parler de cette pierre brillante. Excusez-moi de vous avoir causé tant de soucis et merci pour votre aide. Cordialement, bisous. Tenez, je vous donne ceci en guise de remerciement, une pierre brillante. Ah. Des recettes à l'épinard. Smoothie épinard, super smoothie épinard. 10 et épinard. Voilà. Des recettes. Si on allait fabriquer des smoothies. J'ai l'impression de me... Je suis dans Zelda en fait. La section préparée a été ajoutée au menu du jeu. Ok. Amusez-vous bien, veillez à ne pas trop patati patata, hydratez-vous. Alors, petit bouton, les smoothies. Oh là, il y a plein de choses nouvelles là. Il y a un truc bizarre là aussi. Alors, j'ai deux pouvoirs.
dont le pouvoir de la gratuité du smoothie. Je peux faire du super smoothie, du smoothie, ok, ça c'est pour ok. Ok. Mais ça ne dit pas si je peux en faire en fait. Oui, voilà, ouais. Ah, préparer, c'est en bas. Préparer des smoothies. J'ai besoin de 3 épinards pour faire 2 cœurs. J'ai besoin de 2 épinards pour faire 1 cœur. Je croyais vite fait. C'est parti. Pressé. Ok, d'accord. Très bien. J'ai fait des smoothies. Je peux changer d'apparence parce que... voilà. Tac, tac, tac. Oh, toutes les notifs. Surtout quand on était déjà équipé. Ça, on s'en fiche. Changer de chapitre. C'est bien joué, vous êtes terminé le chapitre 1. Il y a 15 jours. Le chapitre 2, la semaine dernière. Et le chapitre 3 arrive. Il reste un truc à faire. Les quêtes, on en a fait... 2, 3, je sais pas. Je ne sais pas. 60%? Attendez, ça veut dire que le boss compte pour 40%? Ah ouais, ça va être méga dur en fait. Il y a combien de chapitres au total? Attendez, 3, 4, 5... Je peux pas voir au-dessus. Non, je peux pas voir au-dessus. Voir le catalogue. Il y a des smoothies. Il y a des smoothies. Ah, mais ça, c'est tous les smoothies que je peux faire. Wow. Mais non, c'est pas possible qu'il y en ait autant. En gros, on va manger du Ring Fit pendant 4 ans. Ok, bon, Léo, ok. Tac, 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 tac. Tac, tac, les baskets, tac. Adieu les notifs, voilà. Bon, boire. La boisson de l'eau. Ring a dit que la pierre était un pouvoir perdu. Ah d'accord. J'ai pas fait gaffe. Smoothie épinard, pourquoi pas. Ça manque de sucre. Bon. Ça manque de trucs bons. Bon. Jusqu'à Ring Fit Adventure 2, qui n'existe pas encore. Mais... dans la même collection. Dans la même collection de ce style de jeu, même éditeur, etc., même dev. Il y a Fit Boxing, je sais pas quoi, 1 et 2. Il y a un autre truc de sport, 1 et 2. Et il y a Ring Fit Adventure pour la Switch. Pour la Switch. Après, il y a des belles inspirations de ce qui avait déjà été fait par le passé. Donc, on peut s'attendre en effet à un Ring Fit Adventure 2, ça c'est clair. Excusez-moi, je remets le Joy-Con sur la cuisse qui n'arrête pas de descendre. J'ai pas le même short que l'autre fois. Ça m'embête un peu. Bon, je suis moins essoufflé que tout à l'heure. Ça fait une belle grosse session et il reste que le boss. Du coup, go boss, sachant qu'on va le foirer une fois. Qu'après, on prend un niveau. Donc, go. On va voir. Maintenant que nous avons récupéré le pouvoir des smoothies pierres brillantes, il nous reste plus que 3 de mes pouvoirs à trouver. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'il dit plus que 3 de ses pouvoirs, mais quand on voit la liste des choses à faire... voilà. C'est tellement agréable de se dire qu'on peut préparer des smoothies quand on veut. Trêve de papotage, Drago est juste devant nous.
ne nous relâchons pas, en espérant qu'il n'y ait pas... Oh punaise, mais il y a tout le parcours avant en fait. Ah mais j'y pense. Maintenant que j'ai retrouvé mon pouvoir, je crois qu'on ferait bien de préparer le plus de smoothies possible pour la route. C'est fait. C'est fait en fait. 5000 d'XP. Bon ben, on se retrouve dans une heure. Hein. Drago Malfoy. Allez, go. Allez, en route. On y va tranquille. Non, j'ai pas envie. Encore ? Courage ! Non, je l'ai raté. Vas-y, je reviens en arrière. Ah, d'accord, mince. La gratuité. Mais qui voilà ? Le truc me troll encore et toujours. Arrête ça tout de suite. Tu vas finir par te blesser. Choisissez une technique pour attaquer. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Attention à ne pas trop incliner votre buste. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Ne vous penchez ni en avant ni en arrière. Légèrement plié. Choisissez une technique. Tire à l'arc. On y va. Étirez le ring cod en inspirant. Ah, là, c'est le sens, voilà. Super. C'est bien.
Bien. Continuez comme ça. Magnifique. Superbe. Superbe. Excellent. Un peu plus vite. Joli. Bravo. Une dernière fois. Joli. Même chose de l'autre côté. On y va. Comme si vous vendiez un arc. Ouais, c'est ça. Très bien. Bravo. Bon travail. Bien joué. Formidable. Très bien. Bravo. Super. Génial. Bon travail. Passons à la vitesse supérieure. Bon travail. Fantastique. Une dernière fois. Ok. Excellent. N'oubliez pas de rester hydraté. Squat. On y va. Faites travailler vos jambes. Guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ouvrez la poitrine, levez les bras. Chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Allongez le dos en gardant le buste bien droit. Faites des mouvements plus lents. Oui, bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Bien, maintenant choisissez une technique. Tire à l'arc. C'est parti. Poignet, coude et épaule à la même hauteur. Ouais, c'est ça. Super. Bon travail. Parfait. Excellent. Fantastique. Bravo. Bon travail. Super. Essayez de vous surpasser. Fantastique. Bon travail. Une dernière fois. Ok. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Ne baissez pas les épaules. Très bien. Parfait. Bien. Bravo. C'est bien. Très bien. C'est bien. Fantastique. Magnifique.
comme ça. Très bien. Passons à la vitesse supérieure. Beau travail. Bien joué. Une dernière fois. Bien. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait là? Viser, puis tirer. Génial. Ok. Si nécessaire, inclinez-moi un instant vers le bas pour recentrer la visée. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Contractez les abdominaux sans plier le bas du dos. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Ne forcez pas en levant les épaules. Bien! Bouclier d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Choisissez une technique et bonne chance! Squat! On y va! Ne tournez pas vos pieds vers l'intérieur! J'essaye de pas trop me crever et de jouer stratégique. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. N'avancez pas le genou au-delà du talon. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite.
Revenez lentement à la position de départ. Vous pouvez tenter un angle droit, mais ne forcez pas. Choisissez une technique. Allez. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, 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 à droite. Cet exercice cible les fessiers. À gauche, à droite, à gauche. Vous êtes à la moitié. Ah. Abaissez votre bassin. Étirez-vous, victoire. Je vous laisse plein de titres. Merci pour le GG. Mais comment peut-il être encore si puissant parce qu'il y a encore un autre grand méchant derrière en fait. Tout simplement. Il faut s'occuper de rats maléfiques. Et oui. Trois pouvoirs. Si seulement on pouvait les récupérer. Il faut d'abord se dépêcher de rattraper Drago. Mais Drago s'est enfui en direction du royaume de Sport. Je pense que là-bas, même lui ne pourra pas faire le malin bien longtemps. Ah. Pourquoi ? Mais les quêtes ? Pourquoi les quêtes, ça a pas compté ? C'est quoi ce bordel ? Du coup, je suis pas à 100% du machin. Alors, la phase de récupération, pour terminer... Est-ce qu'on a bien profité de l'aventure aujourd'hui? Oui, un peu quand même, ça fait 2 heures. Terminé chapitre 3, félicitations. Quelle surprise quand Drago s'est mis à jeter des caisses. Mais pour leur place à la détente, passons à la phase de récupération, voyons les détails maintenant. Sur ces 2 heures de stream, en réalité, il y a eu 41 minutes 22 secondes d'exercice. Quasiment 3 km courus de 4,71. Plein de kilocalories brûlées. 440 pressions, c'est au total ça ou c'est aujourd'hui? Ah non, d'accord. 440 pressions aujourd'hui, dont 666 depuis le début du jeu. Des levées de genoux, torsion de tronc, plein de squats, posture du guerrier. Oui, ça en fait des choses en fait. Pression vers le bas, tir à l'arc, presse abdominale, flexion latérale triomphale, posture de la chaise, pression basse, pression triomphale, sprint, course. Levée de genoux, étirement, tenu, squat, tenu, pression basse, tenu, presse abdominale, tenu. Quelle assiduité, continuez comme ça. Si jetez un œil à votre durée d'entraînement aujourd'hui, vous vous entraînez depuis un bon moment, vous devriez peut-être faire une pause. C'est le cas. Si vous voulez corser un peu les choses, essayez d'augmenter l'intensité d'exercice, mais faites attention de ne pas forcer. Non, c'est déjà assez difficile. Félicitations, vous avez effectué au moins 300 fois des squats. Ce n'est pas un nombre facile à atteindre, j'admire votre ténacité. Et ce n'est pas tout. Bon travail, vous avez effectué au moins 200 fois la technique torsion de tronc.
Vous êtes un véritable disciple batelier. Ce n'est pas fini. 200 fois les levées de genoux. En même temps, quand on fait 30 ou 50, je sais pas. Voilà qui force le respect, genou leste. Que diriez-vous d'une séance d'étirement? Oui. Bien, commençons. Vous n'aurez pas besoin du Rincon. Pensez à votre corps et ne vous étirez pas au-delà de vos limites. Écartez les jambes, posez les mains sur les genoux et abaissez le bassin. Ah, c'est nouveau ça. Faites pivoter l'épaule gauche vers l'intérieur pour étirer la hanche. Tournez-vous à nouveau vers l'avant. À présent, étirez votre hanche droite. Veillez à ne pas tourner vos jambes vers l'intérieur. Revenez lentement. C'était dur. Pliez le genou gauche et tenez votre cheville derrière vous. Tirez le genou vers l'arrière pour étirer l'avant de la cuisse. Même chose de l'autre côté. Faites attention à ne pas cambrer le dos. Revenez lentement. Étirez le bras gauche sur le côté et tenez-le avec le bras droit. Tirez sur le bras pour étirer les muscles de l'épaule gauche. Même chose de l'autre côté. Attention, votre bassin ne doit pas pivoter. Revenez lentement. Placez la main gauche en avant et étirez vos doigts avec la main droite. Tendez le bras gauche en avant pour étirer le poignet gauche. Même chose de l'autre côté. Ne pliez pas le coude du bras que vous étirez. Revenez lentement. Joignez les mains devant vous. Tournez vos paumes vers l'avant et étirez votre dos. Revenez lentement. La séance d'étirement est terminée. Ah oui, deux gorgées. Le litre sera tombé. Très bien, c'est terminé. C'est l'heure de notre brin de Cosette. L'activité physique peut aider à augmenter la masse musculaire et l'endurance. Et ça, c'est la raison principale de pourquoi j'ai fait ça avec vous. En plus d'autres choses. Mais ne forcez pas trop, ce qui nous amène à notre thème du jour. La musculation, c'est une affaire de répétition. La posture aussi est importante. En matière de musculation, le gain de masse musculaire est fonction du nombre de répétitions effectuées. Les répétitions sont donc importantes, mais la posture l'est également. Une bonne posture permet aussi d'éviter de se faire mal. Attention, trop de répétitions peuvent altérer votre posture. L'idéal est de se concentrer sur ses muscles, de surveiller sa posture et d'effectuer les mouvements appropriés pour cibler ses efforts sur les bons endroits. Ne forcez pas. Si vous fatiguez ou que vous n'arrivez plus à vous concentrer, faites une pause. Nous en avons donc terminé avec la récupération pour aujourd'hui. La prochaine fois, n'oubliez pas de charger les batteries de vos manettes Joy-Con, c'est pas un souci. Par contre, il faudrait que je fasse ça pour le micro. Bien. C'était plus long aujourd'hui. En même temps, il y a eu un niveau difficile à refaire. Le boss, ça a été parce que j'ai voulu
plus la jouer stratégique, dans le sens où j'ai fait gaffe au pouvoir, au sort, aux exercices utilisés par rapport au boss, mais sans trop me fatiguer non plus. Du coup, en fait, là, ce que j'ai préféré de toute la séance d'aujourd'hui, c'est le boss, parce que c'est pas ce qui m'a fatigué le plus, au final. Au contraire, j'ai même trouvé presque ça sur une phase de récupération, contrairement aux exercices, notamment l'avant-avant-dernier, là où on courait, celui-là, je l'ai eu difficile, vraiment difficile. Voilà, je vais m'arrêter là. De toute façon, ça durait plus que prévu, clairement, vu l'heure en plus. Ah oui, vu l'heure, ah oui, en effet. Oh, ok, je m'arrête là tout court en fait. Bref, suivez les réseaux, Iva Sound Studio, l'association, tout ça pour savoir ce qu'on fait, pour savoir quand on revient. Le planning arrive tout à l'heure ce soir sur les réseaux, sur Twitch, sur Discord. Donc venez follow, abonnez-vous, rejoignez Discord, vous connaissez la chanson. Il y a quoi alors, le planning arrive, mais je peux déjà vous dire que cette semaine, il y a Skull the Hero Slayer avec Yakipon. Rayman Origins avec Draken, Les Aventuriers du Rail avec moi, Endo et peut-être d'autres, WarioWare avec moi, et voilà, pour tout ce qui est jour et heure, bah, il faudra attendre que les plannings arrivent, donc venez, venez follow, venez rejoindre tout ça, parce qu'on fait quand même des choses bien, on pense, voilà. Merci le chat d'avoir été là pour me motiver, parce que comme je l'ai dit en tout début de stream, j'étais pas du tout, pardon, motivé pour aujourd'hui, mais vraiment pas, vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Donc heureusement que vous avez été là, et au final, ben, on est allé au bout du chapitre, et ça c'est cool, même si il y a des quêtes qui n'ont pas été faites, j'ai pas compris pourquoi, mais c'était chouette. Donc encore une fois, merci tout le monde d'avoir été présent, présente. Et je vous fais des bisous, prenez soin de vous, passez une bonne fin de dimanche. Prochain stream demain, du coup, avec Yakipon, puis avec Draken. Voilà, cordialement, bisous.